comment tu la trouves? Je la trouve pas mal. Pas mal. Moi, je la trouve talentueuse, je la trouve incroyable et je la trouve extraordinaire. Merci. Et les esprits qui sont dans le studio ici, s'ils sont d'avis avec moi, bien sûr, ils vont applaudir. Ouais. Alors, José, c'est ton nom de scène. Qu'as-tu à dire là maintenant à celle-là? Est-ce que tu es fière d'elle après toutes ces années de combat? Je suis fière d'elle, oui. Je suis fière d'elle, je suis fière de son parcours et je lui souhaite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Très bien. Aujourd'hui, José, longtemps les gens t'ont reproché de faire de la musique commerciale et de gâcher ton écrou. Le samedi 17 décembre prochain, tu vas donner un magnifique concert, j'en suis sûr, au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel d'Ivoire. Les tickets vont de 50 000 à 150 000 francs et des voix s'élèvent pour dénoncer la cherté des prix des tickets. Quelle est ta réponse? Alors, je leur dis que il n'y a rien qui est facile. Ouais. Je leur dis que lorsque j'ai fait mon concert au Palais de la Culture, beaucoup d'entre eux se sont plaints. Alors c'est une occasion pour eux de les valoriser parce que ceux qui sont fans de José ne sont pas n'importe qui, ce sont des VIP. Ouais. Alors pour ces VIP là, c'est pour eux que ce concert est fait. Donc je les invite à venir massivement. Très bien, et je sais qu'ils seront nombreux. Tu seras un soldat, j'en suis sûr. S'il te plaît, adieu, merci. Et je pense que c'est pas légion des concerts de ce genre là. Il y en a eu même d'autres dont on ne citera pas les noms. À plus d'un million, merci. Où c'était rempli. Donc pourquoi s'offusquer? Bref, poursuivons. Qu'est-ce que tu nous réserves donc pour ce concert là? Zambelema Pro Max ou tout simplement José? Zambelema Pro Max, ça serait trop dire quand même, parce que le Mapuka reste le Mapuka. Oui. Pro Max, il devient de la vulgarité. On sait que José n'est pas dans la vulgarité. Oui. Donc ses fans seront respectés. Ce concert ne sera pas qu'un simple concert, ce sera un spectacle. Oui. J'insiste dessus, parce qu'ils ne vont pas que venir me regarder chanter, m'écouter chanter. Ils auront de quoi regarder et ils repartiront de là avec une leçon de vie. Très bien dit, c'est rassurant. En début d'année, ta vie personnelle a été mise sur la place publique. Comment ta famille et tes proches ont vécu cette période difficile? Alors, j'ai senti ma famille autour de moi. Oui. Ça a été compliqué pour moi parce que je venais juste d'accoucher avec les hormones de grossesse qui étaient encore présentes. Et j'étais un peu acculée. Ça a été très, très dur. Mais Dieu merci, ma famille était là, tout près de moi. C'était compliqué. Mais avec l'aide de Dieu, on finit toujours par remonter à la surface. Et donc, aujourd'hui, ça va mieux. Au passage, on fait plein de bisous à toute ta famille. Merci. Est-ce qu'à cette période-là, tu t'es sentie abandonnée par tes fans? Mes fans, les vrais, ouais, étaient là. Mmh. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans ma vie personnelle, ceux que ça n'intéresse pas, qui m'aiment pour ma musique, étaient là. Mais j'ai vu vraiment le vrai visage de ceux qui n'étaient pas fans de José. Ouais. Voilà. Très bien. Au passage, j'en profite pour te lire un message que je viens de recevoir. C'est celui de Madi Lanour qui dit « On peut être miel comme ça. » Oh, merci. Merci, Madi. Alors, est-ce qu'il y a des jours où tu as eu envie d'abandonner la musique, de tout arrêter juste pour avoir la paix? Oui, oui, je le dis honnêtement, oui. Waouh. Et qu'est-ce qui t'a permis de remonter à la surface et de dire non, ce serait un peu lâche de ma part d'arrêter? Mon père. Oui. Surtout lui, ma famille et oui, les vrais fans et aussi mes enfants. Oui, Dieu merci. Alors, pendant la préparation de ton EP, qu'est-ce qui t'a le plus motivé? Quelqu'un qui est cher à moi dont je vais taire le nom. C'est, ouais, c'est pas qu'est-ce qui, c'est quelqu'un. Ouais. Wow. Pourquoi c'était important pour toi de revenir? Et de tout ton projet musical, quelle est la chanson dans laquelle tu as mis le plus le cœur? Est-ce que tu peux aussi nous la fredonner en a cappella? Est-ce que tu peux reprendre la question? Alors, qu'est-ce qui était important pour toi? C'est-à-dire en revenant sur la scène. Alors, ce qui était important pour moi, c'est de savoir qu'il y a des personnes qui m'attendent. Ouais. Je me rappelle que Chama m'a dit « Maman, j'adore te voir chanter ». Wow. Et donc, pour Chama, je ne pouvais pas me permettre d'arrêter. Et la deuxième question, c'était laquelle? La deuxième, c'est laquelle de tes chansons est ton gros coup de cœur? Si oui, est-ce que tu peux nous la fredonner? Toutes les chansons sont mes coups de cœur sur ce EP. Sauf Ambiance à la Côtière qui était là spécialement pour ceux, ouais, qui sont fans de Youssoumba. Toutes les chansons étaient mes coups de cœur. Depuis, je suis revenue bâtard, je shine, ouais, en pagaille, en passant par Dieu sait pour moi au revoir, mais tu sais qu'ils font pire. Yeah. En passant par Alako, Ambekonia, no mokeo, mongonio, noye, Iakeni, Jusouye. Toutes les chansons étaient mon coup de cœur, étaient mes coups de cœur. En passant aussi par Si on refaisait le monde avec des si, Zouamdi, pour m'aller. Toutes ces chansons étaient mes coups de cœur. Super, et je pense aussi que c'était le coup de cœur aussi de Pamela Silvié qui te laisse un magnifique message. Je le lis. N'arrête pas notre diva au grand jamais, nous sommes avec toi jusqu'au bout. Je vous aime, merci. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour
Nescafé. José, imagine-toi être en face de la José d'il y a 10 ans, en te regardant dans la glace. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour la préparer à peut-être ce qui t'attend? Parce que la vie, c'est une longue marche remplie d'épreuves. Je vais lui dire, petite, tu as fait un choix de vie, un oui. choix de cœur. Tu es forte. Tu as encore un chemin long. Oui. Tu as parcouru beaucoup d'épreuves, mais ta route est encore longue. Alors, reste accrochée à ton Dieu, continue de croire en toi et sois reconnaissante envers tous ceux qui te boostent. Amen. Amen. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je pense que non. Non. Je suis objectivement et je suis forcément dans la destinée que Dieu a tracée pour moi, c'est-à-dire chanter. Oui. Très bien. Aujourd'hui, José, dis-nous, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse, le plus heureux, on va dire? C'est de faire le métier que j'aime et d'être mère de deux magnifiques garçons. Waouh. C'est beau. Merci. Est-ce que, pour tous les Wamiens qui sont nombreux à te suivre en ce moment sur Live TV, est-ce que tu accepterais de nous confier le prénom de ton dernier boutchou? Bien sûr. Oui. Mon dernier boutchou s'appelle Sam Uria. Waouh. Ça signifie quoi? Uria signifie l'éternel est ma lumière. Wow. Sam, c'est le nom que son grand frère a bien voulu lui donner. Waouh. Après le concert, qu'est-ce que tu prépares musicalement? Comme je le disais tout à l'heure, ouais. Ma route est encore longue. Mm-hmm. Je ne saurais vous donner vraiment des détails sur ce qui va se passer par la suite. Oui. Mais pour l'heure, je suis vraiment concentrée sur le 17 décembre parce qu'il me faut donner le meilleur de moi encore une fois pour ce 17. Je ne veux pas que mon concert du 17 décembre, ouais. ressemble au concert du 26 juin 2021. Alors je me prépare en conséquence. Ce n'est pas facile, il y a des épreuves. Mm-hmm. Mais je tiens la barre haut. C'est ça. Tout compte fait, on a compris. Merci. José, un message maintenant à l'endroit de tous tes fans. Je précise, les vrais. Alors, le message que j'ai adressé à tous mes fans, c'est que je voudrais d'abord les remercier. Oui. Parce qu'on aime une personne. Lorsqu'on aime réellement une personne, cet amour n'est pas conditionné. Si. Et je ne pourrai jamais quantifier ou rembourser tout cet amour qu'ils ont pour ma personne. Ce concert du 17, c'est notre concert. Oui. Et c'est l'occasion pour moi de voir les vrais fans de José. Mmh. Ceux qui sont prêts à sacrifier 50 000, 100 000, 150 000 francs oui. pour moi, juste par amour. Et aussi leur dire que la route est longue. On n'a pas encore fini de traverser d'autres épreuves. Mmh. Comme je l'ai dit dans l'espoir, les épreuves viennent en fonction de la dimension de ton bonheur. Oui. Il y a de grandes choses qui nous attendent devant et on va parcourir ce chemin ensemble. Si. Je ne vous lâcherai pas et j'espère que vous en ferez de même. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous rende à l'infini tout ce que vous faites pour moi. Amen. Merci. Avant maintenant, bien sûr, donc, de rallumer les lumières, José, regarde celle-là, elle est magnifique, elle te regarde aussi dans le miroir. Est-ce que tu as un message fort à lui adresser? Le message que j'ai à lui adresser, c'est que... Je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut préparer un mouchoir pour José, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour notre diva, s'il vous plaît? Sois forte, José. Plus d'ovation encore, s'il vous plaît, pour José, s'il vous plaît. Grand moment d'émotion. Courage, José. La vie est faite d'épreuves. Mais que serions-nous et quel témoignage aurions-nous pu offrir au monde entier si nous n'étions pas éprouvés? Je vous demande encore, s'il vous plaît, plus d'ovation pour José. Sois forte. Petite, tu es forte. Oui. Tu es forte. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Peu importe ce que les gens vont penser de toi ou dire de toi, Dieu seul sait qui tu es réellement. Et à partir d'aujourd'hui, arrête de regarder ce que les gens pensent de toi. Regarde juste ce que Dieu pense de toi, c'est le plus important. Ce que Dieu pense de toi et chéris ce que Dieu t'a donné. Chéris ce que Dieu t'a donné et suis les conseils de tes parents, suis les conseils de ceux qui tiennent à toi. Dans cette épreuve, tu as vu qui était prêt pour toi, tu as vu qui n'était pas prêt pour toi. En fonction de cela, avance, marche. Parce que des épreuves, il y en aura toujours dans la vie. Mais sans ces épreuves, tu ne serais pas qui tu es. Et tu ne seras pas qui tu es prédestiné à devenir. Dieu t'a donné une place privilégiée. Aujourd'hui, tout un pays te considère comme une diva. Réajuste ta couronne et puis avance. Réajuste ta couronne et avance. Tel est le message aussi, bien sûr, qu'on adresse à toutes ces personnes qui dépriment en ce moment. Elle est forte, José. Je vous demande encore plus d'ovation. Merci, David, de nous rallumer la lumière.